prêt pour les mauvais jours. Donc nous sommes prêts maintenant, Philippe et moi-même, à l'ensemble des collaborateurs et des salariés d'Elf, de tout faire. Cette surenchère est bien sûr très favorable pour les actionnaires d'Elf. Elle reste raisonnable pour les actionnaires de Total. Nous estimons que dès la première année pour les actionnaires de Total, l'opération pourra être relutive en matière de cash flow. Dès la seconde année, en matière de résultats nets par action, et que pour la troisième année où on devrait avoir l'essentiel des synergies mises en place, on devrait avoir une relution aussi bien pour le cash flow que pour le résultat net par action de l'ordre de 6%. Contribuer en tout cas à réunir les conditions. Si on se met par exemple sur une moyenne de 1 ou 2 mois des cours précédents l'offre, dans tous les cas, on est aux alentours de 30% comme prime. Oui, je suis particulièrement sensible. Alors face à cette situation qui était une situation nouvelle, nous avons décidé de construire un projet qui était fondé sur la fusion de ces deux entreprises, rencontrant ainsi le sentiment de Thierry Desmarais, la fusion étant devenue notre but commun. Aujourd'hui, comme demain, la réussite... La formation d'un grand projet français, le sort de 140 000 collaborateurs et l'intérêt de l'ensemble des actionnaires. Donc il était acquis qu'en cas de négociation réussie, ce qui est le cas, avec Total Fina, je me retirerai.